Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de... Hop. Allez, je suis mauvais, hein. Et je suis mort. Je suis mort juste à côté du poids. Oula. Il s'est passé un truc. Je trouve un petit peu coincé dans le jeu. Du coup, je vais tourner que cette vidéo-là, pour le moment. Peut-être que c'est pas mon style. Alors, c'est peut-être pas mon style de jeu non plus aussi, hein, au passage. Hein. Ah, c'est plus les mêmes trucs qui sont morts. Hop, allons-y. Crac, je te découpe. Oula, il y a eu un lag, il y a autre chose. Ok, bon. Tu m'as rien lâché, malheureusement. Ouais, donc je me trouve un petit peu perdu dans ce genre de jeu, à vrai dire. On va pas aller par là. On va aller par là. Ça va rattraper un petit peu le temps perdu, si je puis dire. Avez-vous besoin d'aide, Warren ? Tout va bien, merci de demander. Tu vois bien que je n'en chie surtout pas à jouer au jeu, quoi. Non, c'est vrai que j'ai un peu de mal, c'est pas mon style de jeu à la base, ce genre de jeu extrêmement exigeant. J'ai jamais joué à Dark Souls avec grand intérêt. Hop, merci d'être venu. Crac, hop. Donc ouais, je ne saurais trop vous dire, véritablement. Il y a un passage en bas. Suicide. Je ne saurais trop vous dire véritablement si ce jeu est fait pour moi ou pas. Mais maintenant, je pense que j'ai une bonne réponse à vous donner. Apparemment, non. Non, plus sérieusement, oui, je ne le sens pas. C'est très intéressant comme jeu, hein. Le principe est... et particulier, dirons-nous. Voilà. Mais de toute façon, il est possible que comme je modifie intégralement le système de la chaîne, le principe même de la chaîne, c'est-à-dire les 3 vidéos par jour, et que je fasse plutôt peut-être une ou deux vidéos par jour plus un live, il se pourrait effectivement que beaucoup de choses changent à l'avenir. Hop, merci pour ta jambe. Crac. Ok. Cool. Et bien sûr, tu m'avais vu depuis 3 quarts d'heure en fait, c'est ça? Attention à l'autre derrière. Non? Et quoi, j'ai cru que son pote viendrait, à vrai dire. J'ai vraiment cru que son pote viendrait. Là, il n'y a pas de passage. Normalement, de mémoire, je me rappelle, il y avait un passage pour descendre quelque part, c'est ça? C'était pas là? Non, je me suis juste coincé. Non, c'est bon. T'es coincé. Bon. Donc il y a les gros loups en bas là, qui sont juste impossibles à abattre. Il y a le passage là-bas. Ici, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un de spécial. Hop. Il y a le passage là qui permet de remonter. On va se balader un peu, hein, c'est pas grave. Là, il y a par là qui était dans la nuit, j'ai jamais voulu le faire. C'est ça? Bon, bah non, apparemment c'est pas ça. Ok. Why not, hein, on va bien voir. Par contre, c'est pas en dessous qu'il y a les grosses machines normalement.
Je ne sais plus. Pas d'ennemis dans le coin, donc ça a l'air d'aller. Donc là, il va y en avoir un. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Ok. Y a plus rien qui va, en fait, on va dire. Sauf que là, de mémoire, c'est rempli d'ennemis. Dans le coin. Si vous pouvez venir tout seul, ce serait cool. Désolé pour ta jambe, je la garde avec moi. Sincèrement désolé. Mais bon. Faut bien que j'y arrive. Ok. Là, il y a un drone qui arrive. Je me barre. Putain, il y a des choses ici. Tu veux bien le désectionner? Merci. Voilà. Je monte ici. Alors, c'est une nouvelle session. Hein, donc, je fais un peu ce que je peux, si je puis dire. J'ai beau reculer, le personnage continue à avancer. Après le coup, en fait, il fait un pas. C'est débile. C'est absolument débile. Eh ben, on va recommencer, une fois de plus. Ça, ça me gonfle. Ça, c'est le genre de choses qui me gonflent. Soyons clairs, ça me gonfle. Ce genre de détails stupides qui font que... Alors, je comprends bien, oui, c'est le principe du jeu, tout ça. Marcus a le droit de mourir, tout ça. Voilà, ça prendra. Bah, normalement, j'en avais 6. Non? Ah non, j'avais fait un truc comme quoi quand je tuais quelqu'un, je... Oula. Bah t'arrêtes de vibrer. Apparemment, j'ai reçu plein de mails, mais au compte-gouttes. C'est étrange. Hop. Il me semblait avoir placé un truc, mais je crois que j'ai fait un autre truc qui fait que quand je coupe quelqu'un avec une... Enfin, quand je tranche quelqu'un, je récupère ma santé. Je crois que c'est un truc comme ça. Hop, là, je peux plus courir. Forcément. Retombe pas. Fais pas l'abruti. Que t'as toi qui est pas la forme. Tu veux bien le sélectionner s'il te plaît? C'est bon, lui il est mort. Je vais venir celui-là. Qu'est-ce qu'il a qui va pas? La tête. Boum, ça prendra. Ok, maintenant on court jusque là. Et on peut enfin monter. T'as enfin réussi à te casser toi, j'avais pas réussi à te briser les premières fois. Mais là, apparemment oui. Prendra à me courir dessus. Ça t'apprendra à me courir dessus. J'ai récupéré mes 1500 pièces détachées. Wouhou. C'est la fête du slip. Ok, on peut partir par là. Donc on y va. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vous ai eu tous les deux ou juste un? Je ne vous abandonne pas. Si tu le dis. Il ne sera pas dit que Benjamin Burke a laissé tomber son équipe. Si tu le dis. J'ai indiqué le chemin pour la gare. Il y a de grosses lettres rouges qui indiquent la sortie. Même Smithy ne pourra pas les rater.
si tu le dis. Boum! Fait mal? Voilà, dégage. Je croyais que je l'avais tué, à vrai dire. Soyons honnêtes, je croyais l'avoir tué. Lui, là-bas, il va se relever. T'apprendras à me courir dessus! C'est ce que j'avais dit à ton pote juste avant. Est-ce que c'est le bon ascenseur seulement? Je pense pas. Contrôle de la passerelle. Contrôle de station. Attention, réattribution de la tâche fonderie confirmée. Je sais pas ce qui va se passer. Ah putain, un robot recycleur réassigné, génial. Génial, ça veut dire que je peux aller les voir maintenant sans avoir de problème. J'espère. Allez ouvrons cette porte. Il va y avoir un ou deux ennemis dans le coin, je présume, non? Ce que je voudrais pas, ce serait... Ce que je voudrais pas... Ah! Mais... Je reconnais l'endroit! La porte est toujours fermée, dommage. Ok, d'accord. Putain, si j'avais su que ça emmenait jusqu'ici. Ah, mais la porte était bloquée, je crois, de mémoire. La porte était complètement bloquée de mémoire. Ok, cool. Ascenseur. Ascenseur. Avec un peu de bol, j'ai plus les ennemis à abattre. Ce serait cool. Ce serait carrément cool. Oh là 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 là, ce serait la joie, ce serait le bonheur. Parce que les deux gros robots sont impossibles à abattre, hein. faut dire ce qui est. Hein. Allez, fais-moi descendre. Faites qu'il soit plus là. Oula. Ouais. J'ai dit faites qu'il soit plus là, mais en vrai. C'est là qu'il fallait que j'aille? Je crois pas, hein. Putain, c'est ça qui me saoule, c'est que je sais pas du tout où je dois aller. Je ne sais pas du tout où je dois aller. Un instant, je fais ellipse. Re, chers amis, alors bizarrement... Oh putain. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça me renvoie au menu principal. Alors apparemment... Apparemment, faut que je remonte. Et que je repasse ici. Me demandez pas. Et là ils disent de passer à gauche. Et qu'il y aura deux portes. Ok. Désolé, mais... Bon. Je ne peux plus attendre. Dont une avec un raccourci. J'espère que vous allez bien. Que vous êtes toujours là. Bonjour, un secret. Et que vous avez trouvé refuge, quelque part. Je vais prendre le maglev jusqu'aux anciens labos. Essayez d'y aller si vous pouvez. Je vous y Non, je suis désolé, je reviens à l'endroit de base. Ah putain. Mes prières vous accompagnent. Attendez, il y avait un bouton là? Non, fais pas ça, t'excites pas. Bouton qui ouvre quoi?
bouton qui ouvre quoi? Attendez. What? Bonjour madame. Ellipse. Re, chers amis. Alors, apparemment... Ah oui, ça c'est un raccourci. Oui, d'accord. Bah, la station médicale. Ok, oui, je viens de comprendre comment, de quoi il parle. Ok. Donc, bon, apparemment, il faut que je redescende par là maintenant que j'ai ouvert la porte. Un calvaire quand même. Je regarde s'il n'y a pas des choses là-dedans. Apparemment non. Ok, et on redescend par là. Et apparemment, en redescendant par là, on va tomber sur une porte qu'on a du coup ouvert. Soi-disant. Si c'est le cas, je crois que je vais faire une petite pause là, parce que là, c'est vraiment juste ça. Nom de Dieu. J'ai mon casque VR sur moi, c'est cool. Alors. Putain, ça a ouvert une porte, effectivement, je confirme. Et donc là, faut se dépêcher. C'est le seul spoiler que j'ai eu. Aïe, m'en doutez. Allez, coupe, Marcus. Voilà. Comme ça, maintenant, t'es tranquille. Vas-y, enflamme tout. J'ai fait le con. Ok. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Ouh, tant bien que mal, hein. Crac. Merci. Pourquoi okay. Vous ne me croyez pas? D'accord. Vous avez vu les corps, mais moi je l'ai vu le faire. Pourquoi j'inventerais ça? D'autres l'ont vu aussi. C'est juste un gars. C'est toujours la même chose. Des corps avec des membres en moins. Bloodhouse. Bloodhound. Arme acquise. Bloodhound. C'est quoi ça? Impact très élevé. Ouh. Malam fait beaucoup plus de dégâts, hein, mais... Ça a l'air balèze quand même. Hein. Ça a l'air balèze. Ok. Intéressant. C'est passé il y a des dizaines d'années. Mais s'il était de retour, si c'était pas une légende urbaine, s'il existait vraiment, et si tout ce bordel c'était à cause de lui. Ok, donc il a que la jambe droite. Désolé. Alors attendez, parce que là ça monte. Tu veux bien le verrouiller? Merci. Et je découpe et normalement je récupère de la santé. J'aurais dû récupérer de la santé. Donc il y a un truc qui s'est pas bien passé dans la sauvegarde, c'est pas possible autrement. Ça c'est quoi? Oh putain! C'est un ascenseur? Non. Ah, c'est la fameuse porte, les auxiliaires 2. D'accord, ok, cool. Cool. T'es qui, tu vois? Tu viens d'où? Oh garçon, tu viens d'où? Le mec il vient d'où là? Qu'on m'explique? Ok, c'est pas grave, laisse tomber. Par là. Hmm.
très pas un peu. Ah non, c'est par là. Merde. Oui, il y a un truc dessous. C'est des ennemis autour. Je l'ai dit, apparemment non. C'est bon, on l'a eu. Ouh. Pas passé loin. Donc il y avait bel et bien des ennemis. Hein. La grille qui a l'air d'être faite en 2D. Dites-moi si je me trompe. T'es à poil ? Il va me battre. Il va me battre. Vous savez pourquoi il m'a battu ? Vous savez pourquoi ? C'est parce que je suis tombé. J'aurais dû l'attirer. C'est vraiment de la merde. Ce jeu me fout hors de moi. C'est de pire en pire. Alors attendez. Parce que dans les consommables, voilà, je dois avoir un petit peu de... Donc je vais économiser un peu. Si ça dérange personne. Voilà, est-ce que j'ai des choses à améliorer? Vas-y, fais péter. Apparemment non. Ça, je peux pas l'améliorer non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Génial. J'ai moult crédits que je ne peux pas utiliser. Allez, casse-toi. Hop. Ils veillent aussi sur vous. J'ai manqué de me ressusciter. Et j'ai encore oublié de vérifier mes implants. Normalement, quand je coupais quelque chose à la fin... Putain, mais mes implants, mes implants, mes implants, mes implants, mes implants... J'ai quoi? Gain d'énergie, diminution d'énergie, santé plus... Ah non, je pensais que je l'avais, excusez-moi, autant pour moi. Hein. Peut-être, j'ai peut-être estimé que c'était mieux d'avoir plus d'énergie. Putain, mais d'où tu viens? D'où tu viens? D'où tu viens? Allez, j'y vais. Je me laisse pas abattre, littéralement. Je l'ai vu. Et donc avoir la chance de pouvoir revenir me voir. Oh. Tu m'as autant touché que l'autre tout à l'heure. Putain, mais... T'es qui, toi? T'es qui? Tu sors d'où? Voilà, j'étais que deux, maintenant ils sont 40 000. Tiens, bouffe. Allez, allez, allez. Et on découpe. Là, je me fais plus chier. Voilà, et je régène. Merci à toi. Crac. Surcharge. Parce que ça va faire... Circuit d'alimentation contourné. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait. Et c'est tout ce qui importe. Ok. Oh putain. C'était électrocellule en vanadium. D'accord, ok.
Si c'est le pauvre ascenseur, simplement le pauvre ascenseur qui me ramène. D'accord, donc elle attire les gens dans un piège. Ça, non ? Allez, viens ! Oh putain ! Boum ! Je découpe, si permet, hein. Merci. Viens voir papa. Voilà, merci bien. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Peut-être m'appartient, désolé. Ou ton bras, je sais pas trop. Ce sera ton bras. Clinch Power Grip. Liquidator. D'accord, ok, pourquoi pas. À tous les employés du secteur. Arme acquise. Je n'aime pas jouer les rabat-joie, mais les paris clandestins enfreignent les lois fédérales et font donc courir à Créo un risque non négligeable de poursuites judiciaires. Ah, quelqu'un qui m'a parlé quand même. Les épreuves de drones déchaînés sont donc annulées. Les drones et autres matériels empruntés. J'ai un service à vous demander. Ouais, putain, elle était là. Pas de panique, c'est rien de dangereux. Elle est où ? Je voulais savoir si vous pouviez me décoter des pièces détachées. Elle est où ? Je pourrais vous en donner quelques-unes. Oh merci, je ne l'oublierai pas. J'y compte bien. Vous en faites quoi des pièces détachées ? Je fabrique quelque chose. D'accord, bah écoute, bonne chance. Quelque chose de très important. Ok, cool. C'est une question de vie ou de mort. Ok. Le doubleur est à chier. Comment savoir si je peux vous faire confiance ? Bref, je vous connais. Au revoir. Ok. J'y vais. Si vous devez y aller... J'ai quand même donné 5000, hein. J'ai été vachement généreux. Dans un jeu où sans doute être généreux n'est jamais la bonne solution. Allez, viens voir papa. Allez, viens voir papa. Qu'est-ce que je vais pouvoir te couper ? Désolé, j'ai dû faire ça. Allez, on passe. Ok, c'est cool. Et ils sont deux. Voilà, donc je suis mort. Je suis dégoûté. Oh putain. Et je suis mort. Voilà. Bah ce jeu c'est de la merde, chers amis. Voilà. Je vous laisse là. Salut !